Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Donc, je suis un peu malade. Ça se peut que j'ai une drôle de voix. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent, jour 5. Donc, jour 5, c'est un cadeau de Mélanie. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais oublié de lire son indice. Donc là, je l'ai mis. Pour ne pas l'oublier. Et j'ai eu l'autorisation d'ouvrir le cadeau d'Elisabeth et Rebecca, qui sont les filles de Mélanie. Donc, j'ouvre ça tout de suite. Elles sont trop fines. Ben, oh, c'est rose. Ça m'a l'air d'être quelque chose comme que Sandra a eu. Non! C'est des trucs de fabrication en pompons comme Sandra a eu. Mais là, c'est des flamants roses. C'est comme genre trop parfait. Trop drôle. C'est clair que je vais faire ça. Je vais les faire avec ma fille, je crois. Regardez. Oh, c'est une belle attention, les filles. Merci. Donc, hein, vous savez, vu qu'on aime les trucs créatifs, nous, des affaires de même, on aime ça. Je vais m'amuser à le faire en plus. Avec ma fille, puis je vais probablement les mettre sur mon petit meuble derrière moi. Merci les filles, c'est trop gentil! OK, donc numéro 5, on va lire l'indice. La dernière fois, j'avais oublié de lire pour les ciseaux, elle avait écrit petit objet bien utile pour le crochet ou le point de croix. Donc, hein, c'est exactement pour ça que j'ai dit que je les utiliserais. Donc, numéro 5, c'est écrit « Jalousie x 10 000 ici, je vais aussi m'en commander un x 10 000. » Et là là, ça c'est de la jalousie. Oups, attendez. Ouais. Donc, si je me fie juste au toucher, c'est un livre. En tout cas, j'ai bien l'impression que c'est un livre. Ouais. Donc, un livre de quoi? Que Mel voudrait aussi. Elle dessine pas vraiment. Je sais pas. On va regarder ça. Ouais, je suis malade. Qu'est-ce que c'est que cela? Hein? Grey Anatomy. Qu'est-ce que c'est ça? Dot line, wave, swirl, diagonal, coloring book. Ah! Je comprends pas. Ah! C'est quoi ça? How blue. C'est quoi? Faut tout dessiner les swirls? Non. Oui. Ça le comprend. Des explications. Wow. Ben, faudrait que Mel me dise pour être sûr. Mais j'ai comme dans l'impression que faut-tu dessiner toutes les lignes. Dot line swirl. Parce que là, il y a des, comme des paquets noirs. Oh non, ça n'a pas rapport. Je pense. Bon, fait que si je comprends bien, il faut dessiner toutes les swirls en noir, puis ça va nous faire ressortir une image. Parce que là, si je regarde de même, je vois rien pantoute. Mais je veux juste être sûre que je me trompe pas. Va falloir que Mel, elle me dise. Parce que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on colore. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. C'est juste que j'essaie de catcher. Puis évidemment, de Grey Anatomy. Comme ici, je vois quand même quelque chose apparaître. Ah, celle-là, c'est des points. Ah! C'est nice.
quand c'est... Je comprends pas. Faut-tu tout dessiner les points puis les swirls? Oh, on les voit dans le retour d'écran. Ah, pas toutes. Je m'excuse. Non, on les voit pas. Ah, les points, on les voit. OK, ben Mel, il va falloir que tu me donnes quelques explications parce que j'en vois même pas dans le livre, mais bon, d'après ce que je comprends, là, je dessine toutes les trucs. Toutes les lignes. Ça? Ben ça. Mais c'est cool la texture. Mais merci, c'est le fun, c'est une autre affaire à essayer. Je vais m'amuser à essayer ça, certain. Je vais même peut-être en commencer un tout de suite, là, si je comprends quoi faire, mais je pense que je comprends. Je vais m'essayer. Mais merci, c'est gentil! Fait que, on se retrouve demain pour, le jour 6, évidemment, le 6 décembre. Et je vous invite, n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de mes amis pour voir qu'est-ce que... elles ont reçu aujourd'hui. Donc voilà, merci mon ami. On se retrouve bientôt. Bye!